Bonjour, eh ben, voilà la Suisse à l'œuvre, puisque on se connaissait les Anglais férus de supercartes, bien sûr beaucoup de Néerlandais, les Français, mais voilà deux pilotes suisses qui font partie des piliers du championnat de France, Philippe depuis de longues années, Étienne nous a rejoint il y a 2-3 ans. Alors on va déjà commencer par Étienne. Malheureusement hier, il aurait dû être sur le podium et un petit serrage moteur l'en a privé. Étienne, relate-nous un petit peu, on va pas parler de la course d'hier, ça ferait mal au cœur, mais plutôt de la saison. Il me semble que là, tu es de plus en plus performant, tu es parfaitement présent. Alors comment te sens-tu assimilé dans ce championnat de France ? Je me sens très bien assimilé. Moi, j'ai plus d'expérience qu'au début. Et puis, avec mon ami Philippe, on se débrouille pour progresser du mieux qu'on peut avec le matériel qu'on a à disposition. Impeccable. Philippe, on va pas parler technique pour changer. Bah non. Mais j'ai vu que hier, tu étais interviewé même par les télévisions suisses-allemandes. Tout à fait, oui. Donc, il y a de la promotion à venir ou quoi ? Non, c'était une équipe de Suisse-allemande du milieu de la Suisse qui venait faire un reportage pour les camions parce qu'il y a un pilote... Camion, Bosinger, très connu. Championnat d'Europe de camion, et puis j'étais intéressé de voir qu'on était là aussi, alors on va en profiter. Et puis comme je sais un petit peu la langue de Goethe à la façon suisse, eh ben, ils en ont profité. Voilà, alors l'an dernier, tu as marqué plus de points qu'Étienne parce qu'il a eu plus de soucis mécaniques. Là, il a eu 2 podiums, tu comptes te rattraper bientôt ? Moi, comme tu l'as dit précédemment, hein, ça fait déjà quelques années que j'en fais, donc 5 ans. Ça fait 5 ans que je fais toujours la médaille au chocolat 2 fois par année. C'est vrai que j'aimerais le faire concrétiser aussi pour mon copain Étienne. Et j'ai parlé de vous hier parce que justement, j'ai dit Bosinger, qui est un pilote bien connu dans les camions FIA. Je dis, mais maintenant, il n'est pas tout seul au Supercart qui côtoie aujourd'hui à Nogaro les camions. La Suisse pourrait venir perturber le peloton devant. Oh, on compte sur vous cet après-midi. L'hymne national, qu'est-ce que voilà. T'en penses? Ouais, un bon hymne national, ce serait pas mal. Impeccable. Bon ben merci et puis bonne chance. Merci à vous. Merci à vous.